Maverick. Tard, je viens de finir ma petite morning routine. J'ai déjà commencé à travailler un petit peu, là, il est à peu près 9h30. Fait que je commence toujours 9h à travailler. Ben je dis ça, mais des fois je commence un petit peu plus tôt pour finir un petit peu plus tôt. Mais ça, habituellement, c'est comme de 9 à 4, 4 et demi que je travaille. Fait que j'ai fait mon petit café glacé. Vous savez comment on va pas, il est trop mignon. Je l'avais acheté au Café Mundi quand j'étais allé faire une bougie avec Fred cet automne, puis je la trouve trop cute. Je pense qu'il y en a genre les déjà sur Amazon pis tout, là. Mais bon, en tout cas, elle a quand même coûté cher, je pense qu'elle a genre coûté 6$. Mais bon, je l'aime vraiment. Fait que je me suis dit, cette semaine, slash aujourd'hui, là, je ne sais pas trop le vlog va être combien de temps, que j'allais vous amener dans ma vie, tout simplement ma daily basis life. Basis, ça dit-tu basic? En tout cas, ma vie bien basic. Mine de rien, mon stage avance tellement vite. On est genre mi-mars, c'est genre le 12 mars. Puis je finis comme la semaine du 28 avril. Ou je finis genre le 28 avril, ça va vraiment, vraiment vite. C'était 4 mois, puis j'ai l'impression que ça en a duré genre 2. Bon, c'est pas fini, mais... Je vais vous expliquer un petit peu ce matin qu'est-ce que je fais. J'ai l'impression que je vous parle pas tant de mon travail puis qu'est-ce que je fais comme au quotidien. Fait que je vais vous dire ce matin qu'est-ce que je fais. Hier, M est descendu à Sherbrooke. On a shooté du contenu pas mal toute la journée. Fait que là, ce matin, je veux éditer ce contenu-là. Je vais utiliser du contenu de la semaine dernière que je veux éditer. Puis aussi, il faut que je travaille sur le calendrier éditorial. Ça, c'est comme tout, genre la programmation des publications. Autant sur le TikTok que le Instagram de balade, mais aussi du contenu pour M. Puis c'est ça. Fait que c'est de faire ça. On a comme un doc avec toutes les publications. Les captions à faire approuver, le cover du reel, fait que ça monte quand même beaucoup de temps, puis c'est pas mal ça. Après, c'est déjà comme travailler sur des visuels pour une vente qui s'en vient vraiment bientôt chez Café Balade. Salut, salut! Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais vraiment toute seule pour dîner, fait que il m'a mis sous son aile. Qu'est-ce que tu manges? Du Subway. Sa mère, elle mange du Subway tous les jours de sa vie. Oui, tout le temps, même affaire en plus. Moi, j'aime mieux le McDo. Tu t'en as du McDo à un moment donné. Ok, tu fais encore ton lunch de d'habitude? Non, j'ai plus de bagel. Ah, tu fais quoi? Salut la gang! Bon, on est maintenant sur notre heure de dîner. Ben, heure, moi, je prends jamais une heure, là, c'est genre 20 minutes, 30 minutes. Donc là, j'ai plus de bagel, fait qu'on y va pour un pain. Si elle m'attend qu'on dit? Vraiment, j'ai la crème encore, puis je me suis dit qu'on aurait acheté du pesto. Je trouve que ça fait, genre ce genre de pain-là, ça fait pesto. On en rajoute des capers. C'est le berry, la gang! Je vais faire avec vous. Je suis dommage orange. Parfait. Ok, on va faire un test, la gang. Ça a l'air coq. Ça a l'air trop, ça a l'air bon. Je trouve que ça a l'air trempe. Comment tu veux dire? Non. On goûte. Donc c'est pesto, des carbs, fromage à crème. C'est bon? Ouais? Non. Quoi? Parce que...
Je viens de finir de dîner, c'était super bon, puis là, je commence mon après-midi de travail. Fait que là, ce matin, je fais un petit suivi, j'ai fait toute la planif de contenu, fait que genre, tout ce qui était comme planifier le contenu, fait que le calendrier éditorial et tout, fait que là, je suis plus dans la création de contenu, sans, ben pas filmer, plus éditer du contenu qu'on a filmé. Je voudrais qu'habituellement, je passe pas mal mes journées tout le temps en jogging, mais des fois, ça fait du bien aussi de, c'est bon, je suis vraiment en crew leg, mais juste de mettre des jeans, de se maquiller un peu, ça fait du bien, puis de pas, que ça devienne pas genre trop en mode routine, boring, puis genre jogging, puis tout là, en mode pyjama. Je sais pas si vous avez parlé, je pense pas, mais de cette lip balm là qui vient de chez Elf, qui est le Squeeze Me Lip Balm, qui est le dupe du La Neige, mais en stick. Je l'aime vraiment. C'est Fred qui me l'avait acheté. Fred, il est vraiment fin, il me fait soit des petits cadeaux, là, mais on avait acheté deux, genre, parce qu'il savait que j'aimais ça, les baumes à lèvres. Il est super, c'est cute. Lui, c'est à la vanille. Je suis moins fan de tout ce qui est vanille, mais genre, il m'écœure pas. Je trouve que c'est une bonne vanille, c'est que j'aime bien. On dirait que dépenser full cher pour un lip balm, genre, ça me fait chier. Ben, j'ai dit ça, puis j'aimerais vraiment se m'acheter un Summer Fridays bientôt. C'est sûr que vous avez vu ça, mais ils sont tellement chers, là. Genre, je pense qu'avec les taxes, ça revient à genre 37$ pour un lipstick. C'est tellement cher. Bon, ils sont plus gros que ça, mais comme. Bien hydraté, on se remet à travailler. Ok, la gang, ça l'avance bien, mais oh my god, c'est tellement long, là. J'ai comme, genre, pas tant édité beaucoup d'affaires, puis depuis tantôt, je travaille, puis on dirait que je me sens mal parce que j'hésite pas assez d'affaires rapidement, mais bon. Je pense qu'au moins, ça va être bon. Là, je vais prendre une mini pause de comme 2 minutes pour aller m'ouvrir une petite Red Bull. Je sais pas si vous avez vu ça sur TikTok, mais genre, une trend ces temps-ci, que c'est genre boire de la Red Bull, ok? Avec du creamer. Vous m'avez bien entendu, avec du creamer. Ça fait genre quelques mois que je le vois, puis je l'ai jamais testé. Puis là, j'ai une Red Bull ici. J'allais en fait semaine à Igloo Fest, puis à Québec, puis en donner, genre. Fait que je me suis dit qu'on allait tester. Je vais faire un TikTok là-dessus. La seule affaire, c'est que, habituellement, c'est comme du creamer à la vanille. Là, j'ai mocha et noisette. Ça risque d'être étrange. Fait qu'on va tester ça, j'ai hâte de voir, je vais vous mettre là, évidemment. Habituellement, les gens, ils font moins avec la Red Bull normale, ils font plus avec genre de la Red Bull genre melon d'eau ou quoi, mais moi, je veux vraiment essayer le vrai mix Red Bull normal et creamer. Je vais vous mettre ici la gang pour que vous soyez en bien de scène. Je vais pas tout la prendre, je veux pas non plus tout gaspiller ma bonne Red Bull. Je sais pas pour vous, mais moi, là, l'odeur de la Red Bull me rappelle l'odeur d'un vodka Red Bull. Je vais pas en mettre trop, juste un mini peu, genre. Fait que cheers la gang, on va tester voir. Hey, c'est quand même bon. What the fuck? Yo, c'est bon la gang. La gang, je suis vraiment surpris. C'est sûr que c'est un mix un peu bizarre là, quand on a genre du mocha, on va dire, de la dame. Mais de la vanille, je suis convaincu que c'est bon. Bon la gang, j'ai presque fini ma journée de travail. En fait, techniquement, je l'aurais fini. Je fais comme 7 heures par jour. Puis là, ça fait comme 7h20 que je travaille aujourd'hui. Ça a été quand même productif. Mais là, il fait super beau dans l'appart là. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais moi, mon moment préféré de la journée. Puis surtout dans l'appart là, on est tellement chanceux, on a tellement une belle lumière. C'est à cette heure-ci. Oh, j'aime ça, regardez ça. Avec genre le golden hour. À peu près là, bon c'est pas encore le golden hour, mais bientôt, en fin d'après-midi, quand il y a genre du soleil pis tout là, je trouve ça tellement beau. Fait qu'on dirait que ça m'inspire quand il fait beau de créer du contenu. Puis il manque un petit peu de contenu à créer pour balade. Puis je me dis que j'allais le faire en ce moment, j'ai regardé la météo puis il fait pas super beau dans les prochains jours. Fait que j'ai comme faire un truc de petit real esthétique de comme café de fin d'après-midi quand il fait soleil. Fait que moi j'ai le café bon matin ici, que j'aime vraiment honnêtement. Je le bois avec ma pod réutilisable de chez Nespresso. Je voulais déjà montrer les mini pods Nespresso comme ça que je viens mettre dans ma machine qui est réutilisable. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, now no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow, all the fake friends gon' pile up. I need peace to borrow, get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo, smile so... Maria vient de Malisney. Tu penses que ça doit coûter combien, toi? Est-ce que je peux faire un petit peu de gourmand ici? Ouais, vas-y. Ok, fait que peut-être qu'au total, ça m'a coûté autour de... 350. Ouais, entre 300 et 350. Mais, j'ai fait une tactique. En fait, j'avais acheté une paire de souliers comme vraiment à plein prix. Puis après ça, j'ai réussi à trouver la version moins chère. Fait que j'ai acheté en ligne. Puis ensuite, je suis allée rembourser celle que j'ai payée fucking cher. Ouais. Fait que techniquement, je viens de ravoir 200$. Fait que j'ai vraiment dépensé 150. Oh, ok, c'est ça ton gros match là. Mais oui, j'ai remboursé une paire de souliers au complet. Mon autre, ton top 3 de tes items préférés. Mon top 3, je me suis acheté... Maria a osé, là. J'ai osé. Je me suis acheté une paire de pantalons de cuir. Yes. Je suis vraiment très contente. H&M. Très fidèle. 50$. Je vais montrer une des deux robes que je me suis achetée. C'est en mode Europe, Grèce. C'est Maria, c'est en mode voyage. C'est en mode voyage. Fait que voilà, comme ça. Puis, avec la casquette, mettons, que je me suis achetée. Ouais. Ça marche. Fait qu'au niveau winner, je me suis acheté un petit top noir. Un petit top basic. Parce qu'il faut savoir que Maria, elle a pas full de basic dans sa garde-robe. Non, c'est ça. Puis là, le but de partir en voyage, en backpack, c'est d'avoir des basics qui puissent matcher avec tout un petit peu. J'ai beaucoup, mettons, là, j'ai commencé à améliorer ma garde-robe pour des basics de bord. Je suis plus dans le cadre.
Oh, excuse. C'est vraiment pas. En mode. Arrête de parler. Fait que, je sais pas la gang si vous avez vu ça sur TikTok. Moi, j'ai vu ça, mais c'est comme une trend de comme acheter un parfum pour son voyage. Fait comme ça, l'odeur. Mais c'est pas une trend, là. Pas une trend, c'est une trend de travel talk. Ok. Alien Goddess. De Thierry Mugler. Regardez comment c'est beau, la gang. Elle est vraiment belle. Je pense qu'on l'a pas dit, c'est sûr. Mais elle part en voyage backpack pendant 2 mois et demi, genre. 3 mois et demi. Toute seule. Toute seule. À partir de mi-juin. Fait que Marie nous quitte pour l'été. De la douche, je me suis rasé, comme vous avez vu, je me suis aussi exfolié, nettoyé la peau. Je vais vous montrer le nettoyant que j'utilise live. Hey, mes cheveux, ça va pas. J'utilise ce nettoyant-là de chez Ducré. Ducré, qui est genre la première marque avec qui j'ai collaboré ever. Fait que c'est de la gamme Keras. J'ai toujours l'envie de dire ça. Keras Snail. Bref, comme ça. Je l'aime vraiment. Je pense qu'elle est moins adaptée maintenant à mon type de peau. C'est comme peau grasse à tendance acnéique. Quand j'ai commencé à l'utiliser, ma peau était vraiment grasse à tendance acnéique. Là, ça m'est vraiment plus sèche. Fait que je pense pas que je le rachèterai pour cette raison-là, mais ça a été un de mes plus beaux nettoyants. Genre, je l'adore. Si vous avez la peau un petit peu acnéique, grasse, you need to buy this. Je trouve que Ducré, c'est une marque qu'on n'entend pas assez parler, qui est en pharmacie, qui est super bonne. Maintenant, niveau du toner, je sais pas trop ce que je vais mettre. Je crois que je vais mettre lui ici, de Good Molecule, bref, comme ça ici, que j'avais reçu les produits, j'avais reçu, je dirais 5-6 produits, qui est le Niacinamide Brightening Toner. Fait que j'en ai quand même utilisé beaucoup, là, je sais pas trop si vous voyez, là. Mais comme honnêtement, je pense que Marie aussi en prend parce qu'honnêtement c'est un peu un problème. Mais je l'aime vraiment beaucoup. J'ai quand même vu une différence, je vous dirais. Ça vient vraiment éclaircir ma peau. Je pense que ça, je pourrais vraiment le racheter. Fait que j'en mets comme ça. Là peut-être que c'est pas ça qu'il faut que je fasse, mais c'est ça que je fais. Je le mets comme ça. Puis je viens me l'appliquer. Là je viens de me raser, fait que je sens que ma peau ça chauffe. Mais je trouve vraiment que ça vient bien reset ma peau. Je suis vraiment rendu un fan de skincare. J'ai l'impression que je commence à avoir ma petite routine. Là, c'est drôle parce que j'écoute Big Brother. À chaque fois que je sors de la douche, je mets Big Brother. Je sais pas si vous l'écoutez vous cette année, mais moi cette année, je trouve ça tellement bon. L'année passée, je l'avais pas suivi. J'avais comme arrêté de l'écouter à un moment donné parce que j'avais comme, je sais pas, j'avais comme manqué trop d'épisodes. Mais cette année, je le suis religieusement tous les soirs. Puis je trouve ça tellement bon cette année. Genre, je pense que c'est mon année préférée de toutes. Niveau sérum, quand j'ai la peau plus sèche, je prends lui de Glow Recipe. Je vous ai déjà parlé, le sérum Recovery à l'avocat qui hydrate super bien, que j'aime beaucoup. Par contre, j'en ai déjà parlé, mais comme la bouteille se vide tellement vite, c'est un problème. Vraiment la texture de sérum que j'aime. Gel, mais un peu crème, mais qui rentre full vite dans la peau, genre full fluide. Moi, un gros sérum trop sticky, j'aime pas ça. Un sérum trop gras non plus, lui, c'est juste parfait. Puis comme crème hydratante, je varie de jour en jour. Des fois, je mets la Biomac, honnêtement, j'aime pas. Je me rends compte que je l'aime pas. Je l'utilise pour la passer, mais achetez jamais ça, moi, je l'aime pas. Mon produit chouchou, c'est en fait, j'en ai déjà parlé, le Biotherme Homme Aqua Power. Quand j'ai la peau comme plus sèche, comme là, je pense que j'ai utilisé ça vu qu'elle a été irritée, j'utilise la Biotherme, la Cera Repair Barrier Cream de chez Biotherme, que j'aime vraiment beaucoup, qui laisse un effet plus gras un peu. T'sais, mettons, c'est vraiment pas une crème de jour, mais je l'aime beaucoup. Je pense pas que j'utiliserais nécessairement l'été, mais l'hiver, comme ça, je l'aime full. Genre, la consistance est riche, mais pas trop riche. T'sais, c'est un peu un gel crème, mais plus épais que genre un gel. Je me réveille le lendemain matin, puis ma peau est encore hydratée. Là. J'aime full l'odeur aussi, c'est genre full frais. Quelque chose que je faisais pas avant, mais là, je l'ai reçu dans mon colis Good Molecule, fait que je le fais, mais c'est d'utiliser une crème pour les yeux. J'avais jamais utilisé de crème pour les yeux. Marie aussi, elle en prend. Regardez ça comme elle commence à être petite. C'est la Yerba Mate Wake Up Eye Gel. Ça dit que ça réduit les signes de la puffiness puis plump l'apparence. Mais j'aime ça là. Appliquer une crème pour les yeux est pas trop riche. Elle rentre full bien dans la peau. C'est genre une texture gel. Fait que voilà. C'est pas plus compliqué pour ma petite routine soin. Je voudrais qu'avant je mettais du Nuda, là, genre de l'autre bronzant Nuda à tous les soirs. Mais je me suis un peu calmé. Genre avant là, genre je voulais absolument être orange. Ok, orange. Parce que si j'étais pas un peu orange, je m'aimais pas. Fait que honnêtement, j'en abusais peut-être un peu. Mais je l'utilise encore vraiment plusieurs fois par semaine. C'est mon produit chouchou de chez Nuda. Mais je vous dirais aussi que mon autre produit chouchou, c'est ici, genre les Bronzing Drop, là. Je l'aime tellement, là. Ça a été quand même long, un bon segment de mon vlog. J'espère que vous aimez ça. Je suis désolé pour la femme, c'est vraiment gossant. Chaque fois que je me maquille, puis je fais un Get Ready With Me, peu importe ici. C'est un peu gossant. Fait que là, on va aller dans mon lit, on va relaxer. Fred s'en vient dans pas si long. Puis je pense que ça va être une soirée fucking relax. Un invité spécial vient d'arriver. Salut, Chippy. Yo. Ça va? Oui, tu dis pas l'eau, là. Il s'en fout de vous. Non, allez vous abonner à mon TikTok. Ah! TikTok era. Il y en a juste. Je commence ma TikTok era, mais si jamais vous voulez vous suivre, c'est Frédéric, mais pas de. Tu le mets où, le TikTok? Ici.
Ou ici. Ou là. Vous irez vous abonner. Oui, s'il vous plaît. Merci. Merci la vie. Toi, t'en as-tu pris? Non. Hein? J'avais tellement plus faim, j'ai mangé une poutine. La gang, je viens de recevoir deux colis PR, fait que je me suis dit j'allais vous montrer ça. Un petit unboxing ensemble, je suis bien excité. Donc, en premier lieu, je reçois un colis de chez Nuda. Fait que il m'en envoie quand même souvent là, puis vous savez, c'est genre mes produits préf. D'ailleurs, j'ai un code promo si jamais vous magasinez chez Nuda. C'est un code promo affilié. Fait que dans le fond, je reçois une mini commission quand vous magasinez. Le lien est toujours dans ma barre d'infos, mais mon code promo c'est Kevin en majuscule. Fait que je sais déjà c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, c'est mes deux produits préf de la marque. Mes deux nouveaux produits préf, ben nouveaux. Ils sont pas nouveaux pour moi, mais que j'ai reçu. Fait que l'eau autobronzante, je ne peux pas vivre sans. Je ne peux pas vivre sans. Joyeux, j'en ai pas mis vu que j'allais voir personne aujourd'hui. Là. Nouvelle bouteille, je suis vraiment content. Ils sont tellement beaux les emballages, là, on s'entend dessus. Fait que voilà, ça va être parfait. J'ai vraiment pas fini mon autre, mais comme je suis encore vraiment dans d'en avoir une deuxième bouteille. Fait que en tout cas, si jamais là, vous cherchez un autobronzant ou peu importe, moi c'est vraiment mes deux produits préférés. Et deuxième colis pilleur, vraiment excitant, qui est un colis de la part de Ouya. Mon dieu. Qui est la part de Ouya. Je sais pas si vous connaissez c'est quoi Ouya, mais c'est une entreprise de boissons émergentes qui vient de Sherbrooke. Ils sont cute, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme un petit collant comme ça. Ouya, il est vraiment beau. Puis là, je pense qu'ils m'ont envoyé la nouvelle sorte. Hein? Wow! My god, ils m'en ont tellement envoyé, c'est mon rêve! Oh my god, ok. Fait qu'ils m'ont envoyé la rose, c'est ça, je vous disais, qui est ma préf, qui est framboise melon d'eau. Honnêtement, si jamais vous avez jamais goûté à la Ouya, là, je vous la recommande tellement, c'est full bon. Je trouve des fois que, genre, tu sais, de la gourou, ça goûte la boisson émergente, puis la Red Bull aussi, mais ça goûte vraiment comme le thé. Si jamais vous êtes fan de thé, vous allez vraiment aimer ça. C'est un goût vraiment plus différent, parce que c'est à base de guayusa, qui est genre une plante énergétique, bref. Comme ça, la rose. Ensuite, la sans sucre qui est la originale sans sucre qui est super bonne aussi. Oh my god, elle aussi est vraiment bonne. Pêche kiwi, je pense que, mon dieu, parce que de tout que j'ai testé, la pêche kiwi puis la framboise melon, c'est mes deux préfs. Sinon, on a ici la pomme litchi, comme ça, que j'aime, je voudrais que c'est elle que j'aime le moins. Je suis moins fan des boissons au litchi. J'ai l'impression que quand je bois du litchi, ça me rappelle le soho, c'est genre l'alcool, mais elle est quand même bonne. La bleue! On rêve, qui est baie glacée. Ça, c'est sûr, ça va être tellement bon. Je pense que je vais faire un taste test sur TikTok. Fait que voilà, merci full. Ouya, si jamais vous passez par là, je suis vraiment content. J'en ai en masse pour plusieurs jours. Je viens de faire une story pour Ouya, là, pour que je les remercie. Puis genre, c'est fou. Je pense que j'ai jamais reçu autant de canettes de toute ma vie. Là, j'étais genre, est-ce que je mets tout ça dans mon réfrigérateur? Je pense pas. Je pense que je vais mettre, je vais prendre une sorte de chaque que je vais mettre dans mon frigo. Puis le reste, je vais genre l'entreposer dans genre mon locker. Parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop de place tout ça, là. Ouya m'a envoyé vraiment beaucoup de canettes, on va tester ça. Mais là, la gang, ils ont sorti une nouvelle canette récemment qui est à baie glacée. J'ai jamais goûté, fait qu'on teste ça ensemble. Oh my god, je pense que c'est ma préf. Yo, ça goûte les Jolly Rancher bleus. Moi, c'est mes préf, les Jolly Rancher bleus. Puis, what the fuck, ça goûte genre la sludge bleue. Yo, elle est tellement bonne. Comme, what the fuck. Genre, c'est vraiment ma préférée. Elle goûte vraiment, je l'ai dit en TikTok, mais elle goûte vraiment la framboise bleue. Genre le Jolly Rancher bleu. Yo, j'ai pas fini la vidéo. Fait que je vais faire la conclusion juste ici. Il y a M qui est là, qui est là. Fait que voilà, merci à avoir écouté. Puis nous, on se retrouve vraiment bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. We can be friends if you wanna. We can just talk if you wanna.